Pour embarquer, la file d'attente s'allonge en ce premier week-end des vacances de février. Cet après-midi, à l'aéroport d'Ajaccio, certains ont choisi le ski, comme ses deux sœurs, direction les Alpes du Sud, pendant une semaine. C'est vrai qu'en ce moment, ça va nous donner un bon bol d'air frais, parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques ans qu'on n'y est pas retourné, 2 ans qu'on n'est pas retourné au ski. Donc là, du coup, ça va nous faire vraiment du renouveau et de regoûter à cet instant, de retourner sur les pistes, ça va être vraiment super bien. Donc voilà. Vous n'avez pas perdu les gestes ? Ah, peut-être un petit peu, on va voir. L'impatience de s'évader dans les stations de ski, car cette année, les remontées mécaniques sont ouvertes, contrairement à l'an passé. De quoi remplir les vols et donc retrouver le niveau de fréquentation d'avant la crise sanitaire. Les avions sont quasiment pleins, en tout cas ils le sont au départ de Corse. La seule différence, c'est que les réservations ont lieu beaucoup plus tard, ce qui témoigne en effet du fait que nous étions dans l'incertitude jusqu'il y a encore peu de temps. Même tendance pour les compagnies maritimes, toutes les traversées vers le continent sont complètes, ce week-end et celui d'après. Une affluence qui profite aussi aux agences de voyage. Celles-ci, situées dans le centre d'Ajaccio, retrouvent des chiffres de réservation plutôt encourageants. C'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Après, on voit que les restrictions commencent à s'alléger un petit peu. Ce n'est pas encore ça, mais ça permet de voyager dans des conditions un peu plus sereines. Un vent d'optimisme qui devrait continuer de souffler dans cette agence de voyage. Pour les vacances d'avril, les premières demandes de réservation ont déjà commencé.